Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là et merci aussi de m'avoir accompagné dans cette aventure d'une chaire européenne qui arrive aujourd'hui à son point final. Lorsqu'en 1638, Peter Paul Rubens, se trouvant alors à Anvers, après avoir sillonné pendant des années toute l'Europe, avec des séjours plus ou moins longs en Allemagne, en Italie, en France, Espagne, en Angleterre. Lorsqu'en 1638, donc, Rubens, depuis Anvers, envoya son tableau représentant les conséquences de la guerre à son collègue Josephus Timmans, se trouvant, lui, à Florence, le continent était depuis 20 ans en proie à des violences qui dureront encore bien 10 ans. Cette époque difficile entre dans l'histoire sous le nom de la guerre de 30 ans. Et le tableau de Rubens que vous voyez, œuvre de très grande dimension, plus ou moins 3 mètres sur 2 mètres, est une des manifestations artistiques les plus importantes, les plus saisissantes de cette période. Et le peintre lui-même, donc Rubens, dans une lettre à Susterman, datée du 12 mars 1638, on donne une clé de lecture dans une des très rares descriptions d'une œuvre faite par sa propre plume. Rubens n'avait pas, il écrivait beaucoup de lettres, mais n'avait pas l'habitude de décrire ses œuvres. Cette fois-ci, c'est une exception. La lettre est écrite en italien, même si la langue maternelle de Rubens était le néerlandais, celle de Susterman aussi, mais Susterman se trouvait à Florence. Et Rubens, comme bon peintre européen et diplomate européen, dans sa riche correspondance, utilise presque toutes les langues de l'Europe, à partir du latin, je dirais. Bon, mais il donne une clé de lecture dans cette description dont je voudrais vous citer un passage. Il dit le suivant, je lis dans la traduction française, « La principale figure est Mars, qui sortant du temple ouvert par Janus, lequel en temps de paix, selon la coutume romaine, était fermé, marche avec son bouclier et son épée ensanglantée et menace le peuple de quelque grand malheur. Il se soucie peu de Vénus, sa bien-aimée, qui accompagnait d'amour ses forces par des caresses et baisers de le retenir. De l'autre côté de Mars, il y avait la furie Alceto, et puis il y a une description, je vous la résume, il y a des monstres, il y a la peste, il y a la famine, il y a des instruments musicaux, un luth brisé, un architecte renversé, des dessins pour désigner justement les malheurs de la guerre. Il s'agit donc d'une construction symbolique. Donc, si on suit la description de Rubens, la principale figure était Mars. En ce qui concerne le discours descriptif lui-même de ce peintre et diplomate, il faut tenir compte que Mars, même s'il est placé dans la description au centre du tableau, donc figure principale, ce n'est pas lui la figure qui bénéficie de la description la plus attentive. Cette figure est en effet la figure qui se trouve à l'extrême gauche du tableau. Et maintenant, je voudrais bien vous lire cette description de la figure en noir à gauche. Une femme en deuil, vêtue de noir, avec son voile déchiré, dépouillé de tous ses joyaux et de ses ornements, et la malheureuse Europe, qui déjà pendant de si longues années souffre de les rapines, les outrages et les misères qui sont nuisibles à chacun au-delà de toute expression. Son attribut est le globe, soutenu par un ange laid, ou génie, avec la croix au sommet qui dénote le monde chrétien. Il y a donc ce décalage dans la description entre une figure principale et puis cette figure apparemment secondaire, mais pas tellement secondaire, parce qu'elle jouit donc de cet approfondissement descriptif, et aussi à cause du fait qu'elle se trouve à l'extrême gauche, ce qui signifie dans l'ordre des lectures, de la lecture européenne, en ouverture de l'image.
En italien, les mots utilisés par Rubens ce sont quella matrona lugubre et l'infelice Europa. Donc, on va s'arrêter un peu sur cette description, sur cette infelice Europa, dépouillée de tous ses attributs, sauf un, la couronne. Elle porte encore, vous le voyez, sur sa tête, une belle couronne qui n'est pas tombée ou elle n'est pas encore tombée. C'est une figure tragique qui doit indubitablement beaucoup dans sa construction iconographique à d'autres constructions antérieures, la reine Europe, Europa Regina. La couronne n'est pas encore tombée. Optimiste rubensien, au milieu du désastre, point d'interrogation. Je rappelle que pour assister à la conclusion de la paix de Westphalie, il faudra attendre encore plus ou moins 10 ans, 48, ou s'agit-il d'un simple signal d'alarme? Est-ce que cette couronne ornant le chef de l'infelice Europa pourra-t-elle se maintenir encore à sa place et jusqu'à quand? C'est difficile de répondre à toutes ces questions. Et je me propose, en ce qui suit, d'interroger à part du discours allégorique offert par Rubens, la construction de l'imaginaire d'une Europe reine à l'aube des temps modernes. Ce sera un parcours auquel je vous invite, marqué, je dirais presque marqué déjà à l'époque, par des grands élans et par des inévitables chutes. Il s'agit, on le verra j'espère, d'une iconographie ponctuelle, apparemment limitée par ses propos, mais offrant encore aujourd'hui une importance matière à notre réflexion. Alors, le parcours. Peu avant 1600, Martin de Vos, en collaboration avec Adrian Collard, réalise une série des quatre continents, qu'on appelait à l'époque les quatre parties du monde encore. En voilà la vignette qui représente l'Europe. L'Europe est représentée en effet comme reine, elle est assise sur le globe terrestre, ce qui veut dire en effet elle est maître de ce monde. Elle a dans une de ses mains le sceptre de pouvoir, à notre gauche, donc à sa droite, le bien-être d'un territoire privilégié qui est celui de l'Europe, à droite, notre droit, donc à sa gauche, par contre, la menace de la guerre. Cette Europe reine, couronnée, est protégée par une armure, d'où aussi cette connotation assez claire d'une personnification de pouvoir, mais aussi incluant une stratégie de défense assez claire. Il faudra, on peut comprendre mieux cette vignette si on la met quand même, il faut le faire toujours, si on la met dans le contexte des autres personnifications des quatre parties du monde. Je les montre sans les analyser en profondeur. L'Asie sur un chameau, l'Afrique sur un crocodile, et le Nouveau Monde sur une bête un peu inventée. Plus ou moins à la même époque, donc on est fin XVIe siècle. Le frontispice du Théâtre de l'Univers d'Abraham Ortelius, que voilà, on est en 1571, ce frontispice offrait une mise en scène programmatique de la prééminence de l'Europe sur les autres parties du monde. On la voit dans la partie supérieure du frontispice, assise sur un trône, avec un sceptre, elle gouverne pratiquement le monde. Il y a d'autres personnifications des autres parties du monde, mais vous voyez, dans une position tout à fait inférieure, et j'en passe, je ne veux pas les décrire, mais c'est évident que dans cette construction, l'Europe a une place beaucoup plus importante. Le théâtre d'Ortelius marque, on le sait, un monument essentiel de l'histoire de la géographie, et
pour être plus exact, un point important de la réflexion cartographique. Dans son immense œuvre, l'exactitude scientifique instaure un dialogue très riche par ses implications avec le discours symbolique, et je reviendrai. Mais pour l'instant, il suffit de souligner le fait que sa carte de l'Europe, que voilà, sans doute la plus exacte de l'époque, est placée, vous le voyez, sous le signe mythique de la fille d'Agénor, donc de la princesse Europe, vous la voyez à gauche, grâce à cette insertion dans la partie gauche de la carte, où on voit l'Europe sur le taureau divin. Sur un socle, on peut déceler une Méditerranée symbolique, l'eau sur laquelle le taureau et la princesse Europe sont en train de flotter. Intéressante toute la composition de cette carte qui place donc cette insertion emblématique à gauche en haut. Il y a une diagonale qui la relie d'une façon imaginaire, virtuelle, à l'île de Crète, qui était le territoire mythique sur lequel le taureau Zeus Europe serait arrêté. Il y a donc, je dirais, une ligne imaginaire qui traverse la représentation, une représentation qui est envisagée plus qu'un miroir fidèle d'une réalité terrestre, comme un réseau hybride. De façon duale, cette carte représente l'Europe, symbolise l'Europe, signifie l'Europe, et la représente, la symbolise, la signifie, comment ? En iconisant l'espace. On aura sans doute remarqué que dans ce discours graphique, nourri de ce grand géographe, cartographe qui était Ortelius, l'Europe se représente dans une triple hypostase. Et je reprends aussi le frontispice que je viens de montrer. Cette triple hypostase, donc, elle est une figure de souveraineté dans le frontispice, comme une projection graphique d'un savoir acquis, ce qu'on appelle aujourd'hui une carte de géographie, et comme une trace d'un mythe ressuscité, l'emblème de l'Europe sur le taureau. Des synthèses de ces trois configurations sont extrêmement rares, mais justement en raison de leur singularité, elles sont significatives. Et je veux vous montrer cette grande exception qui est due à la collaboration de Franz Hogenberg, graveur, et de Michael von Eiting, inventeur, le frontispice d'un petit livre qui s'intitule « De Europae Virginis Tauro Incedentis Topographica Atque Historica Descriptione Liber ». C'est un petit livre qui est sorti, imprimé à Cologne en 1588. C'est un petit atlas de poche composé de 88 cartes géographiques précédé justement par un frontispice. Qu'est-ce qu'on voit sur le frontispice ? On voit une princesse couronnée sur un taureau. Le corps de la fille d'Agénor est maintenant couronné, ce qui n'était pas le cas auparavant dans les représentations traditionnelles d'Europe. Elle est devenue une avec la figure de la reine Europe. En plus, vous l'avez remarqué, ce corps est une carte et cette carte est un corps. Le texte du frontispice et de l'atlas portatif explique ce fait d'une façon assez claire. Je ne vais pas entrer dans les détails. La seule chose pour laquelle je voudrais vous attirer l'attention, qu'il faudra faire attention à l'orientation de cette carte qui se plie aux habitudes cartographiques du temps dans lequel l'Ouest était en haut. Aujourd'hui, on est habitué le Nord en haut de toute carte géographique. Donc, à l'époque, l'Ouest en haut. Donc, il faudra, pour nous-mêmes, la tourner avec 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles de montre, pour comprendre, en effet, que cette construction
comprenez, j'essaie maintenant de vous décrire, mais je vous invite aussi à ce petit exercice imaginaire qui comprend l'Angleterre, qui est le bras gauche de ce corps symbolique, l'Italie, le bras droit, l'Espagne, la tête, la France, la poitrine, l'Allemagne, le ventre, la Bohème, le nombril, la Grèce, une jambe, la Suède, l'autre jambe. Difficile car de la reine Europe. Le lecteur spectateur est invité donc à un rituel de reconnaissance, pas seulement nous aujourd'hui à cause de nos difficultés, mais aussi à l'époque, à cause de cet anthropomorphisme, de cette carte de géographie. Le lecteur spectateur de l'époque lui-même était invité à un rituel de reconnaissance à la confluence du mimétique et du symbolique. En étant invité, c'est une chose importante, il me semble, à percevoir l'unité organique de ce corps symbolique. Cette démarche, la démarche de Hohenberg et von Heitzing, pour ingénieuse qu'elle soit, se place de façon indubitable dans le sillage d'une expérience antérieure ayant une valeur inaugurale. La voilà. Il s'agit de la carte de géographie anthropomorphe de l'Europe sous la forme, dit l'inscription, d'une vierge, Europa prima pars terrae, in forma virginis. Elle est due à un géographe graphicien, Johannes Putsch, et fut publiée pour la première fois en 1537. On peut comparer les deux représentations en tenant compte que ce que vous voyez à droite est antérieur. Pour nous arrêter d'une façon un peu plus analytique sur l'image de Putsch, donc ce que vous voyez à droite, aussi à cause du fait que cette représentation sera vouée à une fortune exceptionnelle et il faudra en tenir compte pour lui déceler tous les enjeux. Encore cette remarque préliminaire, l'orientation ouest en haut, peut-être pour vous aider un peu, je vais pour l'instant, après ça je vais revenir, vous renverser cette carte pour mieux la comprendre, en la mettant ensemble avec une vue du satellite, une vue nocturne de l'Europe, vue depuis le satellite. Alors vous comprenez un peu plus de quoi il s'agit. Alors vous comprenez que la tête, c'est l'Espagne, un des bras, c'est l'Italie. Et j'en passe. Donc maintenant, elle est, j'espère, un peu plus intelligible. Un peu sur cette image. On sait que Johannes Putsch était l'un des hauts fonctionnaires de la chancellerie du prince Ferdinand, qui était le frère de Charles Quint. Mentionné dans l'inscription, d'ailleurs, l'empereur, le roi, en tant qu'invincible roi des Romains, de la Hongrie, de la Bohême, archiduc d'Autriche et du Tyrol. Cette carte anthropomorphe se présente d'emblée comme une figuration politique. L'Europe dévoile son nom par une insertion littérale, partielle, qui lui donne presque le caractère d'un rébus. Alors j'essayais de vous marquer le E, U, R, donc Europe, qui invite aussi le spectateur, à part le déchiffrement de la carte et tous ses enjeux aussi, de lui donner un nom. Plus qu'une carte, l'on pourrait parler ici d'un manifeste, moi je dirais même d'un projet ou même d'un plan, projet et plan du pouvoir quasi mystique de la maison d'Habsbourg. Ce que la carte représente est en effet le plan d'une Europe des Habsbourg, sans frontières claires de démarcation interne, avec l'Espagne en tête et l'Allemagne lui marquant le cœur. Émerge sans doute le problème de la France. C'était un problème à l'époque aussi, il me semble. Territoire occupé, occupant une place importante dans cette carte imaginaire, c'est la poitrine de l'Europe, vous le voyez, en marquant un clivage entre la situation géopolitique concrète du projet d'une intégration organique. Les îles britanniques sont inévitablement séparées. En revanche, la Sicile soutient la sphère impériale, donc c'est au bout de l'Italie, vous le voyez, surmontée d'une croix, et le Danemark soutient le sceptre impérial.
l'Europe est figurée comme centre d'un monde dont les autres continents sont délimités par des simples contours linéaires. Alors, on peut voir justement les autres continents qui se réduisent dans cette projection à des simples lignes, hein, lignes de démarcation. Donc, l'Afrique qui juxte la tête de l'Espagne. On peut reconnaître le détroit de Gibraltar, ou même de l'autre côté l'Asie, l'autre rive de la Méditerranée. Donc, mais tout ça au niveau justement d'une délimitation strictement linéaire. Il me semble nécessaire d'interroger la façon dont la cartographie s'est pliée à des suggestions figuratives et iconographiques capables de donner une base symbolique au discours de pouvoir de cette carte, que cette carte, c'est ce projet, propose. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là ? Petite reconstruction iconographique. Les anciennes représentations impériales offraient vraisemblablement un premier point d'ancrage. Alors, Othon le Grand, par exemple, on est à la fin du Xe siècle, mais la miniature est du début du XIIe. On voit l'empereur assis en majesté, d'une façon, en se confrontant avec le spectateur face à face, globe terrestre, surmonté par une croix et sceptre dans l'autre main. Sans doute, il y a une question pressante. Ce remplacement de l'empereur barbu par une princesse couronnée, comment est-ce qu'il est advenu ? Et à cette question suit une autre. Si l'Europe est figurée en tant que princesse, quel est son rapport à l'empereur ? Une des réponses données par les historiens à cette question vise la possible allusion à la situation politique de l'époque. La carte de Putsch, je vous rappelle, c'est de 1537. Charles Quint a été couronné à Bologne en 1530. L'Europe serait l'épouse symbolique du nouvel empereur. Et en effet, il y a des allusions iconographiques qui pourront nous être utiles. Par son mariage en 1526 avec l'empereur roi Charles de Habsbourg, Isabelle de Portugal devient reine. Et maintenant, je cite toute une série de qualités entre le politique, le géographique et le symbolique. Donc, Isabelle de Portugal, que vous voyez à droite dans ce tableau, était reine de Germanie, d'Aragon, de Majorque, de Valence, de Sicile et de Naples, duchesse de Bourgogne, de Milan, de Brabant, de Luxembourg et de Limbourg, comtesse de Flandre, de Hollande et de Barcelone, et comtesse palatine de Bourgogne, et puis finalement, impératrice du Saint-Empire. Alors, dans la représentation, dans ce double portrait du Titien, qui a une valeur fondatrice, le couple est représenté à mi-corps. Isabelle de Portugal se projette sur le fond d'un paysage, donc il y a là un rapport entre la figure et le territoire, si vous voulez, mais il y a cette représentation à mi-corps qui donne à ce double portrait une valeur, je dirais, plutôt de synecdoque. Donc, on n'est pas devant une totalité de la représentation du corps royal ou du corps impérial ou du couple impérial. Il faudra attendre, il faudra chercher peut-être ailleurs. Et en effet, dans l'art italo-espagnol de l'époque, Pompeo et Leone Leoni, par exemple, en 1550-55, donnent à la reine impératrice un corps de bronze. C'est une statue de grandeur nature en bronze, mais, et c'est important, réalisée au moment où la reine était déjà morte. Donc là, le problème du corps de la reine et du corps symbolique de la reine, avec cette matérialité, avec, on pourrait dire, la pérennité du bronze, se place à un niveau tout à fait spécial. La fortune critique de la vision anthropomorphe de l'Europe,
qui a à sa base probablement aussi cette réflexion sur le couple royal et sur le rapport entre reine et roi, impératrice et empereur, la fortune critique de cette vision anthropomorphe fut considérable, mais seulement quelques années après la réalisation de l'image cartographique de notre ami Puch, il y a eu déjà un phénomène de réflexion multiple qui marie pessimisme et optimisme vu des circonstances de l'époque. Je m'arrête un peu sur ce moment. On est en, le 22 janvier 1543, quand le docteur Andreas Laguna, qui était médecin royal, tint dans l'Aula Magna de l'Université de Cologne une très poignante déploration de l'Europe, qui sera publiée le 11 février de la même année. Vous voyez ici le frontispice. On est donc en 1543. Les temps étaient difficiles et le projet d'une Europe unie sous la couronne des Habsbourg semblait de plus en plus éloigné. Depuis, un bref rappel historique, depuis 1542, Charles Quint se trouvait de nouveau en guerre avec François Ier, qui s'alliait avec Soliman le Magnifique, qui avait pris possession de la Transylvanie, tandis que l'empereur entamait une alliance très fragile avec le roi d'Angleterre, Henri VIII. À l'occasion de la déploration de Laguna, on le sait, il y a des descriptions qui nous sont parvenues. L'Aula Magna de l'Université de Cologne était pavoisée en noir, illuminée par des flambeaux funèbres. Et c'est dans ce cadre que le docteur Laguna tint son discours, la déploration de l'Europe. Je ne vous donne pas des citations, ce serait trop long, mais quelques repères. L'Europe, dit-il, est un corps souffrant, un corps moribond. Laguna lui fait le portrait, c'est une femme triste, pâle, les yeux enfoncés dans les orbites, mutilée, au bout de ses forces. Le discours est parsemé de métaphores médicales. Comment est-ce qu'on peut guérir l'Europe ? N'oublions pas que Laguna était médecin. Alors il se pose le problème, comment guérir cette Europe malade ? Il faut se rappeler que 1543 était une année fondamentale, non pas seulement pour la politique européenne, mais aussi pour la vie intellectuelle de l'Europe. Je vous donne deux repères, si c'est nécessaire. C'est l'année de la publication du premier traité moderne d'anatomie humaine, De Humani Corporis Fabrica, d'Andreas Vesalius, qui apparaît à Bâle, qui porte dans son frontispice cette célèbre représentation de l'anatomie d'un corps dans un amphithéâtre anatomique avec des spectateurs, ce corps anatomisé est le corps d'une femme qui se déploie sous les yeux du spectateur en frontispice donc de cet extraordinaire manuel d'anatomie dans toute sa cruauté, je dirais. Il y a quelque chose en commun entre le discours de Puch et aussi le discours de Vesale, parce que les deux, à la fin, Vesale d'une façon plus claire, en tant qu'auteur d'un manuel, d'un grand traité d'anatomie, vise l'unité de l'organisme humain. Alors, cela est visible si on feuillette ce grand opus de Vesale, qui décoré, enfin accompagné par des excellentes gravures auxquelles peut-être même le grand Titien aurait collaboré jusqu'à un certain moment, où le corps humain est vu dans sa déchéance, dans sa décadence d'un côté, mais aussi dans sa qualité d'organisme vital traversé par, dans ce cas, par le système sanguin qui le tient, qui lui donne de la vie. Il y a aussi dans le même
Domani Corporis Fabrica, une réflexion profonde sur la condition humaine. Il faudra seulement se rappeler de cette excellente gravure où on voit un squelette qui réfléchit sur lui-même, sur la condition humaine, sur la vie et sur la mort. La lamentation de Laguna, pour revenir à elle, se place dans le même sillage, je dirais, mais plutôt d'une façon involontaire et inconsciente. Il y a un second événement qui marque la même année, 1543. Il s'agit de l'apparition de la publication du grand livre de Copernic, des révolutions des orbes ou des sphères célestes qui apparaît à Nuremberg justement en 1543. On ne peut pas entrer dans toute la composition de ce livre exceptionnel, mais je rappelle seulement que la révolution copernicienne replace, réformule le système solaire, dont le centre n'est plus la Terre, mais le Soleil. La Terre est une des planètes, elle est marginalisée. Quelle place pour l'Europe dans ce nouveau système cosmique et politique et géographique? Les questions pullulent, en effet, et l'imaginaire géopolitique résiste. Alors, je poursuis cet itinéraire pour vous montrer quelques repères iconographiques. Donc, vous voyez ici une anonyme allégorie de la maison d'Autriche. On est maintenant à la fin du XVIe siècle. Ce qui me semble important dans cette allégorie, vous le voyez vous-même, c'est le fait que la figure de l'Europe, assise sur le taureau, vous la reconnaissez à gauche, donne la couronne à une figure qui se trouve placée au centre, au milieu de la représentation. Et cette figure, pratiquement, est l'Europe, l'Europe des Habsbourg. Donc il y a ce passage entre l'Europe mythique et la nouvelle Europe, l'Europe des Habsbourg, qui est garante aussi de l'unité. Il y a aussi une représentation du Nouveau Monde, mais c'est clair que l'Europe des Habsbourg est vue comme une Europe reine qui domine tout le monde. Quelques passages encore concernant le développement de l'iconographie anthropomorphe de Puch avec son inventivité. Donc l'Europa Regina de Puch sera reprise à maintes reprises. Je vous montre seulement une des reprises les plus importantes qui est due à Matthias Quad. On est en 1587 où on voit que le système inauguré par ce dessin d'origine, se développe dans tout un discours qui marie texte et image et qui met en avant aussi les armoiries. Donc le corps de l'Europe est devenu maintenant, vous le voyez, un corps, je pourrais dire, héraldique. Le problème du modèle se pose encore une fois. On est à une autre étape. Quel est le modèle de cette Europe héraldique? Là aussi, des hypothèses nous mènent vers d'autres modèles, comme par exemple celui de Isabella Clara Eugenia, qui était la fille de Philippe II. Vous la voyez ici dans un portrait de Sanchez Coelho, un portrait de cour avec tout le symbolisme du pouvoir qui se concrétise en ce cas dans le... dans l'insertion de cette accompagnatrice qui était une naine de cour. Vous savez très bien que le rapport entre le pouvoir et le monde se polarisait aussi dans cette dialectique très habituelle dans les grands cours de l'absolutisme entre le hors échelle, l'incomparable de la royauté et la sous-échelle des monstres, des nains, des bouffons. Isabella Clara Eugenia, on le sait bien,
était fiancé à un certain moment à Rodolphe II de Prague. Mais dans tout un réseau d'implications dynastiques de pouvoir aussi. Mais c'est un projet politique qui n'a pas abouti. Mais il y a quand même là des éléments sur lesquels je voudrais insister. Donc Rodolphe de Prague était maintenant l'empereur de l'autre partie de l'Empire de Habsbourg. On connaît de ses portraits, peut-être que le plus intéressant, le plus significatif est celui-ci, fait par Archiboldo dans la tradition de ses portraits bizarres. Dans ce cas, Rodolphe est vu comme Vertumne, donc le roi, le dieu du temps, des saisons du monde, empereur du monde, de la nature, tête composée, où l'allusion au pouvoir impérial va justement dans une sphère beaucoup plus grande. Alors, comme je viens de le dire, comme vous le savez, le mariage entre Rodolphe II et, disons, Isabelle Claire Génie n'aboutira pas, le monarque préférant une autoprojection dans un univers symbolique d'un hermétisme raffiné au sein duquel la Terre tout entière est envisagée comme un être vivant. Le portrait symbolique d'Archimboldo le montre, mais aussi l'imaginaire qui se développe à la cour de Prague. Aussi, ça suffit de regarder pour un instant cette vignette du grand roman alchimique de Michael Mayer, Atalanta Fugiens, illustrée par Théodore de Brie, élaborée justement à la cour de Prague, qui nous représente justement la Terre en tant que femme dans un cadre d'une philosophie hermétique sur laquelle je ne pourrais pas m'arrêter maintenant. Il me semble néanmoins qu'on est arrivé à un moment où, je dirais, réflexion iconographique, l'idée européenne, dans le cadre de cette réflexion iconographique, l'idée européenne laisse place, je pourrais le dire, à une réflexion mondialisante. Et ce n'est pas surprenant que cette pensée se développe de façon éclatante, mais sur ses propres comptes, en Angleterre. En témoigne le portrait de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, où son corps cuirassé, je dirais, dans ce vêtement de cour qui lui marque les qualités de souveraine, mais aussi cette rigidité du pouvoir, la place justement dans un rapport de pouvoir avec le monde tout entier. Alors vous voyez sa main droite sur le globe terrestre. Au second plan, dans ce célèbre Armada portrait de George Gower, au second plan, la bataille maritime qui confronta l'Angleterre à l'Espagne pour un moment. Par contre, dans l'autre portrait que vous voyez à droite, on voit la reine Isabelle dominant les forces de la nature, foudre, éclair, elle se projette sur ce ciel nuageux. Elle est placée sur une surface qui est une face bombée, je dirais. Elle a les pieds, vous les voyez, sur l'Angleterre, mais autour de l'Angleterre, ce qui s'est créé, c'est le globe terrestre. C'est une reine qui, dans ce projet symbolique, mais aussi cartographique, de géographie politique, ce personnage était projeté justement comme souveraine du monde, de la Terre, mais aussi du cosmos. L'idée est déployée dans plusieurs écrits de l'époque. Je vous en montre peut-être seulement le plus important, c'est le frontispice de la Sphaera Archivitatis de John Keyes, où on reconnaît assez
facilement la reine, dont le corps pratiquement se confond avec l'univers tout entier. C'est intéressant aussi de se rappeler qu'il s'agit d'un cosmos qui est encore le cosmos de Ptolémée, avec la Terre au centre. C'est ce cosmos de l'ancienne science qui est dominé par la reine d'Angleterre. Voilà. Alors, ce cœur cosmique d'une reine vierge, alors la virginité de la Vierge est tout un, mérite tout un discours, mais il est marqué aussi par la mise en scène de son corps, de la décoration, par certains éléments symboliques sur lesquels je ne vais pas m'arrêter ici. Mais ce qui me semble important, c'est que ce corps cosmique de la reine se place en contrepoint de la figure de la Terra Nutrix, que vous connaissez déjà, et qui hantait l'imaginaire de l'Europe. Le corps de la reine vierge est sans doute un corps de pouvoir. Mais on s'est éloigné peut-être un peu trop de mon point de départ, qui est le moment, et c'est le moment d'y revenir. Donc le point de départ, c'était ce tableau de Rubens représentant les désastres de la guerre. On était, je rappelle un peu, en 1637, et vraisemblablement, on le voit, Rubens se souciait du sort de l'Europe, figurée comme une reine désespérée, clamant au ciel son désarroi. J'ai cité en ouverture de cette leçon la description détaillée faite par le peintre dans sa lettre qui annonçait l'envoi du tableau depuis Anvers jusqu'à Florence, et je ne voudrais pas la répéter, mais je voudrais quand même spécifier le fait que la même lettre contenait un prologue, un épilogue. On dirait aujourd'hui un double paratexte qui pourrait être lu, à mon avis, de deux manières. Car il fait référence aux défis impliqués par le transport en temps de guerre d'un objet qui est un tableau, donc un objet fragile, depuis Anvers à Florence, mais un tableau, objet fragile, qui est en même temps une allégorie de la guerre. On est devant un épisode, il me semble, d'emboîtement de la micro-histoire dans la macro-histoire. Je voudrais m'arrêter un petit instant sur ce phénomène. Alors, le prologue, la lettre, traduction française. On vous a envoyé la caisse avec le tableau. Donc, la lettre de Rubens est envoyée, pas en même temps, mais parallèlement avec la caisse avec le tableau à Florence. La lettre dit donc le suivant, on vous a envoyé la caisse avec le tableau il y a 3 semaines, jusqu'à Lille, d'où il continuera son chemin vers l'Italie. Plaise le ciel de vous le faire parvenir en peu de temps, comme je l'espère, parce que les routes de l'Allemagne, après la prise de Hanau et la défaite de Weimar, sont embarrassées de beaucoup d'obstacles. Ça, c'est le prologue, suit la description déjà citée, je ne reviens pas. Et puis, le post-scriptum, qui à son tour se réfère à un moment de la bien espérée réception du tableau. Une fois arrivé à Florence, après son périple européen, une petite citation, « Je crains que le tableau aurait pu souffrir des périls du voyage et pendant le temps passé dans sa caisse », dit Rubens. « Si ce fut le cas, ajoute-t-il, et je résume, il faudra le remettre en bon état, le réparer, le restaurer, le réédifier, et si les couleurs ont perdu de leur éclat, il faudra les revigorer. » On peut lire ce post-scriptum comme une allégorie visant non pas seulement une image et son support matériel, mais aussi la même image et son support immatériel, son silencieux cri d'alarme. Ce cri fut d'une certaine façon vain, car le rêve de la reine Europe n'aboutit pas
ou en tout cas pas de la façon dont le projet impérial sur lequel je me suis arrêté l'avait envisagé. Un peu d'histoire. La paix westphalienne marqua, vous le savez bien, un tournant dans l'imagerie géopolitique et l'art lui fit écho. Un tableau écho. Antonio de Pereda, cette Vanitas, datée des années 40 du XVIIe siècle. Moi, je suis inclin de dater ce tableau, mais peut-être que je m'abuse, même en 1648. C'était l'année de la paix de Westphalie qui remet l'Europe en place, mais avec la chute du grand projet initial des Habsbourg. C'est un exemple marquant, c'est une allégorie de la vanité de toutes les choses, et vous voyez que dans la tradition des vanitas, la réflexion cartographique joue un rôle important. Il y a l'ange qui montre le globe terrestre, interpelle le spectateur. Le globe terrestre est surmonté par un camé qui représente le buste, le profil de Charles Quint. Il y a beaucoup d'autres objets, des rappels à la famille royale, au pouvoir des Habsbourg, mais le message le plus important, c'est justement la vanité de la guerre, la domination et la victoire de la mort et du temps sur tous ces genres d'ambition. Il me semble intéressant maintenant, si on regarde ce tableau, cette Vanitas, fin des années 40, avec le tableau de Rubens, des années 30, de voir comme il y a des éléments qui ont circulé, mais aussi qui ont été transformés. Par exemple, la boule transparente, vous la voyez à l'extrême gauche du tableau de Rubens, qui était d'ailleurs rappelé dans la lettre description, ce Angeletto Eugenio, non, qui portait cette boule du monde surmontée par une croix. Elle a laissé la place, en la déplaçant, au globe terrestre. Le rêve impérial, signalisé par ce dispositif, la camée avec le portrait de Charles Quint, indiqué justement par le geste de l'ange, ce rêve impérial est grandement mis en question dans la tradition des vanités du XVIIe siècle. C'est une figuration, il me semble, qui inaugure une réflexion qui n'a pas cessé de se réécrire au fil du temps et qui aujourd'hui est encore plus actuelle que jamais. Une des questions, quelle place et quel avenir pour l'Europe après la chute des empires? On peut ajouter d'autres questions, peut-être encore plus actuelles aujourd'hui. Quelle place et quel avenir pour l'Europe après la fin de l'europocentrisme? Avec cette question, je voudrais m'arrêter en vous remerciant de votre attention et de votre accompagnement.